Et le second pose la même question. Le temps ne m'avait pas permis de montrer que le texte dont je parle, ce n'est pas le texte qu'on trouve sur un support papier ou maintenant sur un support virtuel. Non, le texte de soi, c'est-à-dire l'ensemble de sa manière de s'exprimer et d'attendre d'une lecture du monde possible une réponse. Tout le monde ne lit pas chez nous, mais on lit pour lui. Et parfois, il y a des lecteurs qui lui donnent quelque chose de vrai, qui ne le manipulent pas, et d'autres qui lui donnent une lecture réelle de ce qu'il est, de ses mythes, de sa sémantique de vie, etc. Donc le texte, pour moi, ce n'est pas un ensemble d'alphabets agencés. C'est ce qui dit soi, si vous me permettez ça. Donc, je rectifie, je ne parle pas de Voltaire, comme les bouquins qu'on connaît, les Micromégas ou Zadig. Je ne parle pas des écrivains arabes, Tawhidi, ou le Coran, ou le Jahad, comme l'ensemble des ouvrages que vous achetez à la Porte du Livre ou dans une librairie. Non. Je parle de ce qui fait un peuple, de ce qui fait que, aujourd'hui, ce qui est très rare en Europe, aujourd'hui, si Feu Mahmoud Darwish arrive pour donner des poèmes en Tunisie, il y a 15 000 auditoires, hein, 15 000 auditeurs sur le théâtre romain, tiens, le théâtre romain de Carthage. 15 000, qu'est-ce qui se passe? C'est un arabe extrêmement dur, c'est un poète difficile, comme certains arabisants le reconnaissent, et en Europe, ce n'est pas possible de réunir autour de Goethe maintenant plus de 1000 auditeurs. À la maison de l'écrivain ou à la maison du poète qu'on connaît, qui est toute petite, une salle toute petite. Donc il y a une soif d'un texte de soi dans le monde arabe. On a envie que ce texte nous dise l'expérience de Bouazizi, dise l'expérience de Maïdan Tahrir, qu'est-ce qui s'est passé au Tahrir Square, ces gosses qui ont fait peur à un dictateur énorme. Et ces textes-là se reconnaissent de très loin. Se reconnaissent de Ali Abdelrazak, de Taha Hussein, se reconnaissent peut-être de Fatimides, d'Égyptiens. Et c'est cela qu'il faudrait restituer et en épuiser l'interrogation. Avant d'aller, moi j'adore Pushkin, j'adore Tchekhov, Rousseau, tout ce que vous voulez, tous les grands écrivains, je les ai pratiqués, je les connais. Mais je pense qu'ils interrogent un autre peuple, qu'ils répondent à l'interrogation d'un autre peuple, qui n'est pas le mien. La balade de Pendu de Villon que je connais, que j'adore, ne répond pas à nos pendus à nous. Voilà ce que je veux dire. Épuiser tout le texte. Et surtout, un texte qui a travaillé les gens énormément, à tort ou à raison, ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis que le Coran a travaillé les gens. Il a travaillé à tel point, les Arabes, qu'ils ont exporté ça jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la Mauritanie, jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à le Zanzibar, etc. Qu'est-ce que ce texte nous dit sur nous-mêmes? Eh bien, il ne faudrait pas interroger les islamologues orientalistes pour répondre, il faut l'interroger lui-même. Et je dis que notre tort, c'est d'avoir laissé le surculte, l'excès de culte, je n'ai rien contre le culte, soutirer à ce texte-là le sens. Moi, je pense à un autre texte arabe, et je finis, celui d'Averroès. Averroès, c'est un tout petit livre comme le discours de la méthode, qui, lorsqu'il a été publié, a été retiré du monde pendant 7 siècles. Il a fallu un orientaliste allemand, Müller, pour le retrouver au 19e siècle. Donc, 7 siècles, personne n'en savait rien, y compris, et bien entendu, les Arabes. Rien. Or, ce texte-là dit qu'il y a un fond mince, mais extrêmement lourd, exactement comme les métaux, les métaux précieux, il est extrêmement important. C'est ce qui n'est pas le culte et le rite dans le Coran. Il en a sorti une thèse qui fait de nous, je résume, Fasl al-Maqal, le traité décisif d'Averroès, je le résume en deux mots un peu cavalier, il dit les noms cultuels, c'est-à-dire la populace qu'il dit, Ra'a ou la foule ou tout ce que vous voulez,
ont besoin de culte et n'ont même pas besoin, et c'est dangereux, de s'occuper d'autre chose que le culte. Mais il y a une petite élite des philosophes, dans son esprit à lui, maintenant c'est tout le monde, c'est nous tous des philosophes, qui doivent recevoir la bonne nouvelle, que l'islam, quand il a fini, clôturé la prophétie, il a reconnu que chacun de nous est prophète, et que chacun de nous possède cette raison qui fait de lui un prophète, et il n'a plus besoin de prophète. Ça c'est immense, on ne l'a pas épuisé, et je trouve que c'est inutile d'aller chercher la réponse à cette question précise ailleurs que dans ce livre-là et dans tous ceux qui en ont parlé, comme Averroès ou Koshairi ou les Zamakhshari par exemple, etc. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas épuiser l'immense plaisir de Richard II ou de Macbeth chez Shakespeare. Ça sera vraiment dommage. Merci.